Roland a réussi à créer le son de piano idéal. Le son évolue de façon fluide et naturelle jusqu'à sa chute avec toutes les subtiles variations de timbre caractéristiques de l'instrument. Cette révolution est le fruit de la technologie Roland Supernatural Piano. Quelles sont les caractéristiques du son supernatural? C'est la combinaison de la technologie empruntée au V-piano et du multi-échantillonnage note par note. C'est une transition fluide des échantillons et c'est l'enchaînement sonore linéaire des notes. Jusqu'à présent, la technique pour échantillonner un piano consiste à enregistrer une note de référence tous les 5 demi-tons. Mais ce procédé engendre des variations que l'on peut entendre. Avec le multi-échantillonnage note par note, ce phénomène disparaît pour obtenir un son fluide et linéaire sur tout le clavier. Sur un échantillonnage standard, les notes sont enregistrées sur 4 niveaux de vélocité différents, mais cela crée des paliers sonores que l'on peut distinguer. Avec la nouvelle gamme HP, c'est également enregistré sur 4 niveaux de vélocité différents, mais la technologie Supernatural permet de faire disparaître ces paliers, permettant une évolution naturelle du volume et du timbre de la note. La technologie Supernatural n'utilise pas de boucle sonore. Elle permet de restituer l'évolution complète et naturelle du son. Le HP 307 est équipé de la PHA3. Cette nouvelle mécanique permet de restituer toutes les nuances de jeu, mais aussi de reproduire le double échappement typique d'un piano à queue. Appuyez doucement sur une touche, vous sentez une résistance croître progressivement avant de céder. Cet échappement est typique du clavier des pianos à queue. Vous pouvez donc recommander en toute quiétude à vos clients les plus exigeants le HP 307. Nos mécaniques offrent une réponse constante, quel que soit l'endroit où l'on joue, grâce à leur longueur. Concernant la puissance de l'amplification de nos HP, ils affichent sur le papier une puissance en watts. Il est plus significatif de parler en décibels, c'est-à-dire en niveau de pression sonore. Le volume sonore est le même que pour la série précédente. Qui n'a pas rêvé de jouer avec un orchestre? Avec tous les pianos HP, vous pouvez jouer sur de la musique enregistrée au format WAV à partir d'une clé USB. Les pianos de la série HP intègrent tous les phénomènes de résonance sympathique inhérents au piano acoustique. Un exemple. Voici. Mais on peut encore aller plus loin. Avec le HP 307, on dispose d'une fonction, le Piano Designer, qui permet d'aller au plus près du son et de construire sur mesure le son que l'on veut. Pour rester concentré sur son jeu et garder un esprit traditionnel du piano, on peut positionner le couvre-clavier en position classique.